is an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Le partenariat avec les restaurants et les magasins d'alimentation fonctionne à merveille. Tous les surplus arrivent ici. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Hey ! Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Ça va ? Vous tenez le coup ? Ce crétin pense que je vais emménager chez ma fille. Ce serait génial ! Elle a même pas demandé, mais c'est hors de question. Je bouge pas d'ici. T'en sais rien. Personne sait rien. Moi, en tout cas, je reste ici. Je vous le promets. Ah, le monde va vraiment mal. La jolie assistante sociale est... Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes.
Zioli m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Bon, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et l'admire ce dévouement que tu as pour les... Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, ton père. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. À toutes les unités, on nous signale une course-poursuite. Allô ? Peter ? C'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Hé, hey, ça, c'est pas sympa. À plus. Doc, je viens assister à l'essayage. J'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Parfait. Belle image. Ouf, un chef-d'œuvre. Belle composition, sans vouloir me vanter. J'ai jamais fini cette candidature au Coffee Bean. J'aurais gagné un peu plus que maintenant.
C'est le tout dernier match auquel oncle Ben m'est emmené. Il faudrait que je l'encadre. Ses conseils me manquent. Attention, un vol à main armée vient d'être signalé. C'est pour ça que Jonah me payait une fortune. Servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. Les policiers arrivent. Premier appareil photo. Je l'avais trouvé sur une brocante. Ah, cette bonne vieille pellicule. Il y a quelqu'un sous cette voiture. Il faut que je me dépêche. Bon, il faut encore que je sauve les civils pris au piège. Je suis là. C'est bon, il n'y a personne d'autre. Content d'avoir été là.
Une simple prison haute sécurité ne suffit plus. Toutes les patrouilles en alerte. Un enlèvement a été signalé. Besoin d'effectifs à Gracie Mansion. Répondez. Ok, je vais régler mon oreillette sur les voies étouffées. Jameson m'a donné ça à sa fête d'adieu du Daily Bugle. Je pensais que personne n'écouterait son émission. Comme quoi... La victime ne doit pas être loin. Oh my God ! J'ai tout fini ! Bougez pas, je vais vous sortir de là. C'était hyper angoissant. Merci. C'est ces types-là ! Attrapez-les ! Je me suis toujours battu pour la vérité. Quand j'étais journaliste et rédacteur chef d'un journal, j'imprimais la vérité. Et aujourd'hui, derrière un micro, je la diffuse. Parfois c'est douloureux, mais c'est ma responsabilité de vous la livrer. Et la vérité, c'est que cette ville n'est pas calme, elle n'est pas paisible, c'est une catastrophe prête à éclater. Les dangers naviguent entre deux eaux, tels des requins affamés sous la surface. Ne vous laissez pas berner par Spider-Man. Vous n'êtes pas à l'abri, tout le monde est concerné. Je sais pas si ouvrir ça libérerait vraiment Sandman, mais j'ai aucune envie de tenter le diable. Appel à toutes les patrouilles. Une vente de stupéfiants a été signalée. Le signalement a eu lieu à Museum Mile terminé. Allez, un bruit. Et bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça ? Allez, tu gardes ta table ! Je vais les perdre ! Il faut que je me dépêche ! T'as qu'à me déposer à la prison ? Dis ça comme ça ! Terminus ! Faut que j'ai... Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Les policiers arrivent. C'est pas qu'on soit fâchés, eux et moi, mais...
Ouf ! Un chef-d'œuvre. On contemple les oiseaux au clair de lune ? J'observais les rapaces nocturnes dans le parc quand j'ai repéré un groupe d'hommes armés de fusils vers Belvedere Castle. Merci de m'avoir prévenu, chère... Stéphanie, dites-moi si je peux être utile. Je continue à faire le guet depuis mon perchoir. Merci pour le coup de main, Stéphanie. Pourquoi y aurait des hommes armés à Belvedere Castle ? Tu dois me dire que c'est pas des touristes. Les hommes de Fisk. C'est pas bon signe. Johnny ! Il a pas vu venir celle-là. Il en reste plus. Voyons ce qu'ils manigançaient. J'ai pas trop compris leur manège. Peut-être que je peux trouver des infos sur cette clé USB. Génial. Stéphanie, un oiseau vient de piquer une clé USB pleine de preuves. Un pigeon, je crois. C'est normal ou quoi ? C'est leur période de nidification, alors ça ne me surprend pas. Et je crois qu'il y a un nid dans les arbres au sud-est du château. Nickel, je vais aller voir. Il a des copains, super. Rendez-moi ma clé USB, bande de rats volants. Essayez le renforcement positif. Les pigeons sont dotés d'une intelligence remarquable. Une intelligence remarquable, hein ? Hé, les pigeons ! Désolé de vous avoir traité de rats volants. On pourrait peut-être s'arranger. Je sais pas combien Fisk vous paye, mais je vous propose de double en graines. J'en ai un. Mais c'est pas lui qui a la clé. Nada. On va voir sur leur disque fabriquer les hommes de Fisk. Trouver un truc à faire pendant les planques. Belle image. Apparemment, ils cherchaient à transférer un verre sur le réseau Wi-Fi de Central Park. Ça aurait pu leur permettre de récolter en douce des tonnes d'infos personnelles. Maintenant que j'y pense, même moi j'utilise ce réseau. Minute.
Ça continue de charger à distance? Il doit y avoir plusieurs points d'accès. Stéphanie, vous êtes ma vigie du ciel. Vous avez repéré quelque chose d'anormal dans le parc? Je vois un couple de deux grands-ducs et... Non! Une autre bande! Vers une boîte de raccordement tout près! Merci. Continuez d'observer les alentours. Je dois atteindre cette boîte de raccordement avant. S'ils n'ont pas accès à l'ordi, ils peuvent rien charger. Le boss en a ras-le-bol. Et moi aussi. Pousse-moi ce cotin! Et plus loin! C'est presque aussi exaltant que la fois où j'ai vu trois parulines à ailes dorées. Il y a deux autres boîtes de raccordement qui seront attaquées. Je vous envoie les coordonnées. Merci pour l'info. Je me dépêche. Encore deux? Je pensais pas dire ça un jour. Mais pourquoi Central Park a besoin d'une couverture Wi-Fi aussi forte? Je croyais qu'on venait ici pour respirer. Et voilà. Je dois les éloigner de cette boîte. Abandonne et je serai gentil avec toi. Les habitants de Manhattan peuvent dormir tranquille. Leur mot de passe et leur vidéo de chaton ne risquent plus rien. Spider-Man, je crois qu'ils m'ont repéré. Oh non, vous en êtes sûr? Quasiment, il y a des hommes armés qui débarquent. Fermez la porte du toit et tenez bon, je suis en route. Je dois atteindre Stéphanie avant les hommes de Fisk. C'est à cause de moi qu'elle s'est fourrée dans ce pétrin. Il veut s'éteindre la porte. Je suis pas loin, cachez-vous. Séparez-vous et trouvez la nana aux jumelles. Sammy, Spider-Man, liquidez-le et jetez la fille dans le vide. Allez voir Stéphanie. Oh, merci, Spider-Man. Mes nuits d'ornithologie sont un peu moins palpitantes que ça, d'habitude. Merci à vous. Sans vous et votre œil de lynx, un baron du crime aurait récolté les données personnelles de la moitié de la ville depuis sa cellule. Je me débrouille pas mal, hein. En plus, j'ai trouvé un nid de citelles à poitrine rousse pendant que vous leur mettiez le pied dans les gencives. De vraies petites beautés. Vous voulez les voir? Merci, mais je vais plutôt me concentrer sur une autre sorte de gibier.
Comme je vous l'avais prédit, tel Nostradamus, l'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man au mépris des conséquences a provoqué un raz-de-marée de nouveaux gangsters, tous plus psychopathes les uns que les autres. Mon prochain invité a la chance d'avoir survécu à un vol à main armée. Monsieur, nous sommes ravis que vous alliez bien. Merci. C'était ouf, ces types rentrent comme s'ils étaient chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doive gagner sa vie la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème! Excusez-moi d'avoir élevé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. J'arrête. Notre auditeur semble sous le choc. Raccrochez-lui au nez. Je vais bien. Au revoir! Il paraîtrait que Fisk ait fait fortune en vendant ses épices. Elles sont bonnes, mais pas à ce point. À toutes les patrouilles, on signale une vente de stupéfiants. Direction Morningside Heights. Que serait New York sans ces trafics en drogue? Bonjour, vous avez une ordonnance pour tout temps? Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Magnifique! Il faut que je me penche un jour sur un tissu qui absorbe les ondes sonores et lumineuses. Une combinaison furtive me serait bien utile. Yuri, cet endroit est rempli d'hommes de main de Fisk, avec des bosses sous leurs vêtements. Putain, je parle d'armes cachées, hein, bien sûr. Je peux pas intervenir juste pour des bosses suspectes. C'est qu'une intuition, hein. Mais je m'attends à des troubles à l'ordre public assez rapidement. Ne me ronfle pas. En fait, ce sera plus simple quand le boss sera sorti. Tout le monde sait que c'est lui le kingpin. Tout le monde se méfiera. Amateur, quelqu'un m'assoit? Non! Plaquez-le au sol! Merde! C'est quoi cette saleté? Laisse apprendre à respect! Touchez-vous et tuez-le! Un canon du boss!
Encore d'autres? Ok, mettez-vous en randonnion. Vous verrez personne, promis. Plusieurs personnes qui courent vers moi, je me dis toujours que c'est pour me tuer. Et c'est souvent vrai. Spider-Man, tous les ouvriers affectés à ce chantier semblent récemment avoir gagné gros à Atlantic City. Un moyen facile de blanchir de l'argent. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide. Il faut mettre fin à tout ça. On va lui mettre la pression. Je prends du mandat. Déjà pris les devants. Je vais me marrer. Des nouvelles têtes! Ah, ça tombe bien! Je commençais à en avoir un peu marre des autres! C'est beau, cet attachement inconditionnel qu'ont ces types envers Oli. Au point de venir quémander des tatanes. Vos hommes ne rencontreront aucune résistance ici. Et Wilson Fisk continue d'enchaîner les déconvenus. Bien joué. Attention à toutes les unités. On vient de nous signaler une attaque en cours. Rendez-vous à Columbia. Vous voulez vous battre? Vous avez de la chance! Tu chouilleras pas, je te briserai les os! Tu sais, j'adore étaler des petites frappes. Thank you.
Unité, on a une poursuite de véhicules en cours. À tous les agents près de la caserne, répondez. Ah, oh, la carte d'adieu de mes collègues du Daily Bugle quand je me suis lancé dans la recherche. Des gens vraiment sympas. Sauf Jameson. Trop bien. Chaque jour, en tout point, je m'améliore. Bizarrement, c'est pas du tout l'impression que j'ai. J'ai pu me passer mes lunettes quand j'ai eu mes pouvoirs. J'ai dû raconter que je m'étais fait opérer grâce à l'argent du concours de science organisé par Fisk. Avec cette fiole de sang de Lizard, j'ai pu concocter un remède et redonner au docteur Connors sa forme humaine. Dommage que ça ait pas... Ah, c'est le brouilleur que j'ai bricolé pour détraquer les ailes de Vulture. Dommage qu'il les ait améliorées après.
Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes. Hey, mais où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Seulement, je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être ? Lui dire de parler à son père ? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir en Europe. J'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. De mes stations contrôle la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé.
Et il augmente encore. Et si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà! C'est très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Bon. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. La meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Pas la lumière sur celle-là. Parfait. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. La station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp pourra pas dire que les stations d'Arine servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur X et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour... Salut Pete. Ce labo contrôle l'état de santé de la vie marine. On a tout un stock de médicaments si jamais t'en as besoin. Les effets de ces maladies sont vraiment... Aucune créature vivante ne devrait avoir à vivre ça. Les poissons semblent touchés par une infection bactérienne. Il faut trouver une solution avant que les réserves de nourriture soient contaminées. J'ai trouvé un spray antibactérien dans le labo qui devrait guérir les poissons. Reste plus qu'à le pulvériser sur l'eau. Et j'ai intérêt à faire vite, avant que les gens ne tombent malades. Première étape, me rendre sur les quais. C'est sûrement le contenu de ces fûts qui pose problème. Je dois les sortir de l'eau. Faites appel à les boueurs sympas du quartier. Ces fûts sont plus malins que certains de mes ennemis. Thank you.
Maintenant que c'est nettoyé, c'est l'endroit idéal pour la diffusion. Si je le répartis bien, le courant devrait pouvoir le disperser. Il faut couvrir une zone étendue. Les poissons le transmettront aux autres poissons. Tant mieux, parce que c'est pas avec mes toiles que je pourrais aller au large. Si j'en crois le schéma des courants, il reste une zone à traiter. Encore des fûts. C'est sûrement la source de cette bactérie. Il faut que je m'en débarrasse. L'avantage des fûts, c'est qu'ils ne tirent pas dessus. Bon, l'inconvénient, c'est qu'ils n'apprécient pas mon sens de l'humour. Et on vaporise. Tenez, les petits poissons, c'est pour votre bien. Voilà pourquoi j'ai jamais eu d'aquarium. Je suis sûr que quelqu'un ne manquera pas de prévenir Jameson. Spider-Man pollue les eaux. Ok, trouvons un endroit où contrôler nos petits amis à nageoires pour vérifier qu'ils sont bien guéris. Tout est propre. Enfin, pour des quais. On a éradiqué une épidémie avant même qu'elle ne commence. Oscorp pourra pas dire que cette station ne sert à rien. Hey Yuri, c'est encore moi. Alors Shocker dévalise une banque ? Il n'en vient pas de l'arrêter ? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé ? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse ! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe.